Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Lidl du Ménil-Antel pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on découvre ensemble l'arrivage de demain. Et comme vous pouvez le constater, c'est un arrivage axé sur le jardin. Alors, je vous propose qu'on commence par le broyeur de végétaux à lame. Il est vendu 90 euros. Puissance absorbée 2400 watts. Vitesse à vide 4500 tours minute. Épaisseur de branche max 45 mm. Le sac récupérateur, il fait 45 litres. Après, vous avez tous les accessoires qu'il vous faut, un poussoir, une clé 6 pans creux, un tournevis, garantie 3 ans, donc ça, ça ne change pas. Et ça coûte 90 euros, vous l'avez découvert dans le dernier catalogue. Je vous emmène juste ici, on a le retour de la tronçonneuse à essence. Alors ça, c'est assez technique là, hein, à vrai dire. Donc c'est une tronçonneuse à essence avec un moteur 2 temps refroidi par air, monocylindrique. Ça coûte 90 euros aussi, 53 cm cubes. Régime max du moteur 11500 tours minute et longueur de guide 45 cm. Voilà la petite bécane. Elle est déjà sortie, je crois, celle-ci. Hein. Donc pareil, vendue 90 euros. Et ici, on a le scarificateur. Alors, je vais juste mettre le carton dans le bon sens. Alors, pour cela, j'ai pas encore le prix. Il faudra que je le mette, que je regarde dans le catalogue. Alors, puissance 1500 watts, bac récupérateur 50 litres, vitesse de coupe 3600 tours minute. Largeur de travail 36 cm. Vous avez un support mural pardon, qui est fourni en plus. Voilà. Réglage central de la profondeur sur 4 niveaux avec une position de transport. Ça se fait ici avec le levier. Et pour le prix, bah écoutez, je vous le donne un peu plus tard. Je propose qu'on découvre la suite. Par ici, il y a une tronçonneuse sans fil, 20 volts. À 70 euros, donc vous avez le guide avec la chaîne solide et durable, vitesse de chaîne 6,50 m par seconde, pour tronçonner facilement sans fil. Par contre là, on n'a pas la batterie qui est fournie, hein. faut l'acheter à part, hein. Faut se la fournir à part. Le coupe branche télescopique qui coûte 20 euros, diamètre max de branche 3 cm, attendez, je vais vous mettre dans le bon sens, voici, ouh là là, attention. Voilà à quoi ça ressemble. Donc la lame, elle fait 30 cm. Donc le manche, là, en l'état, il fait 1,60 m. Et vous pouvez l'allonger jusqu'à 2,65 m. Donc il y a 5 positions avant d'arriver à la position max. Je crois qu'il était déjà là l'année dernière. Je ne m'en rappelle plus trop. À vrai dire, parce qu'ils ont toujours une gamme hyper complète pour le jardin. Ça coûte 20 euros. Ici, on a des accessoires de jardin pour les enfants, mais j'ai pas le prix encore. Donc, je reviendrai vers vous, j'espère bientôt. Allez, on a les bains de soleil en aluminium, le grand retour avec ici l'écran pour pas avoir le soleil en plein visage. Ça coûte 50 euros. Donc, dossier inclinable 5 positions. C'est un cadre en aluminium. Entretien facile, il fait 1,93 m de longueur. Vous avez les pieds antidérapants et les poignées de transport. Une fois qu'il est plié, il y a aussi l'appui-tête. Derrière, vous voyez, vous avez une petite pochette pour ranger si vous avez quelque chose à ranger. Et voilà à quoi ça ressemble une fois qu'il est plié. Donc ça, ça coûte 50 euros. Il y en a quelques-uns en stock, mais ça va vite partir aussi, je pense. Il n'y a que du gris. Hein. Par ici, il reste des enrouleurs tuyaux mural, pardon, à 60 euros. Donc ils font 25 mètres avec le système clic. Longueur tuyau d'alimentation 2 mètres. Et à côté, on a le taille-haie électrique à 45 euros qui fait 600 watts en puissance. Longueur de coupe 600 mm. Ouh là là, j'ai du mal ce matin. Hein. Je vais aller me coucher. Diamètre de branche max 18 mm. Et vous avez le fourreau de protection qui est fourni avec. Pareil, ici, on a du stock. Hein. La mini-serre de jardin à 30 euros. Il y en a encore pas mal, ça c'était l'arrivage de la semaine dernière. Elle fait 1 mètre par 60 par 40. Vous avez 8 piquets pour la fixer. Allez, par ici on a un arroseur oscillant à 12 euros. Donc surface d'arrosage max à 2 barres, 2 fois 9,50 m. Et surface d'arrosage max à 4 barres, 3 fois 12 mètres. 12 euros l'accessoire. Ici, vous avez les corbeilles souples à 4 euros, le retour. Elles font 30 litres de contenance. Alors, elles sont dispo... Ah, elles sont accrochées, voilà. Elles sont comme ça. Elles sont dispo en vert. Vous avez du bleu-gris et du noir.
voyez? Donc 4 euros, 30 litres de contenance. Le feutre de paillage non tissé anti-mauvaise herbe, c'est 2,50 euros. Donc c'est 5 fois 1,50 m. C'est pour la team jardinage, hein, pour les salades. Je regarde si c'est tous les mêmes. Ouais, je crois que c'est tous les mêmes, exactement. Ah, les outils de jardin pour enfants que je vous ai montré, c'est 4 euros pièce. Il y a le prix ici. Et le feutre de paillage, du coup, c'est 2,50. On a ici du textile, alors des pantalons de travail, pour femmes et pour hommes. C'est le même prix, hein, c'est 13 euros. Ça, c'est un pantalon de travail femme. Alors, il y a plein de tailles, hein, jusqu'au 46. Vous voyez, c'est pas mal, c'est de la bonne qualité. Vous avez des poches, vous avez les genoux qui sont renforcés. Vous les avez en noir et en vert. Et pour hommes, bah, c'est les mêmes, hein, sauf qu'on a des tailles, enfin voilà, une coupe plus homme, quoi. Taille semi-élastique confortable. Ça, c'est génial quand on aime jardiner, avoir un outil, un vêtement de travail adapté. À côté, on a du textile pour hommes. Alors là, ce sont des chemises en jean à 10 euros. Donc 100% coton. Ça va jusqu'au XL. Ils sont pas mal, hein ? Ils sont pas mal. Les débardeurs pour hommes, pareil, jusqu'au XL, c'est 4 euros. Alors, je vais juste vous donner la compo pour ça. C'est du 97% coton, 3% élastane. Il n'y en a que un hein, dans le carton. Donc 4 euros pièce. Et ici, on a des sweatshirts, des hoodies, hein, comme on dit, à 12 euros jusqu'au XL. La compo ici, c'est 80% coton, 20% polyester. Vous avez du bleu. Il y a cette couleur ici, gris, beige et blanc. Sympa. On a beaucoup de textiles pour hommes là aujourd'hui. Hein. Vous avez des chaussettes ici pour hommes à 4 euros. 81% coton bio, 18% polyamide, 1% élastane. Il y a 5 paires. Et vous avez aussi la possibilité de prendre dans ces couleurs. C'est la même compo hein, pour les deux. 4 euros les 5 paires. La qualité, elle a l'air pas mal. Les t-shirts manches longues, ils sont à 6 euros. Donc là, c'est pareil, on a un fort apport en coton. À 80% coton, 20% polyester. On a d'autres coloris comme ceci. Et pour finir, eh ben, on a des jeans à 12 euros. Je vous en déplie un. C'est du jean pour homme. Hein. Donc pareil, il y a plein de tailles. Pour la coupe, donc c'est taille normale, coupe droite, donc ce qu'il y a de standard. Et vous avez aussi ce modèle qui est un jean jogging assez stylé. C'est le même prix, c'est 12 euros aussi. Vous voyez, c'est avec la taille élastique et le bas qui fait un peu survette. Ça, c'est pas mal. Je sais que mon mari, il aime bien ce genre de pantalon. On peut mettre ça avec des baskets, c'est un peu plus décontracté. Pour les deux, vous avez coloris gris ou bleu. Voilà, c'est 12 euros au choix et il y a beaucoup de stock. Voilà les jolies, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée, un bon dimanche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Bye.